Salut tout le monde, c'est Warconix. Aujourd'hui on se trouve pour une réaction d'un EP OAV de Fairy Tail. J'espère que ça vous fera plaisir. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas, on va voir vraiment ce que ça donne. Ça fait un petit moment que je n'avais pas regardé les OAV spéciales de Fairy Tail, qui sont un peu des compléments des EP que vous pouvez retrouver dans l'intégralité de Fairy Tail. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Hé, toi là, jeune homme! Oui, c'est à toi que je parle. Oui, dis-moi, regarde un truc. Est-ce que tu connais cette chaîne, Warconix? Que t'es abonné à cette chaîne? Zéro, je me suis trompé, mais c'est pas grave. Go. Ok. Sur l'île de Tenro, je présume on va avoir Mavis. Bonjour. Tu? D'accord. Bah après la grande bataille que t'as eue, je suppose que... L'opening est monstrueux. Pourquoi ils ont pas fait des openings comme ça? Et surtout j'ai l'impression qu'il y a des mystères cachés. Tu vas aller rejoindre tes copains. Oui, elle va rejoindre ses copains. Ces OST sont d'une apaisance. Ça se dit ce que je viens de dire? Pourquoi? Erza toujours prend le strict minimum. Elle s'est cachée. On joue à cache-cache. 1, 2, 3, soleil. Écoutez, le but de ce camp d'entraînement, c'est un camp d'entraînement, Erza. Ah donc c'est ça que vous faisiez pendant 3 mois? J'espère que vous allez vraiment vous entraîner. Hein. Manger ma poussière. Oh Jet, t'es pas possible. Hein, Dubia? Putain, elle doit crever de chaud comme ça. J'ai de la peine pour Jubia. Jetty. Grace, c'est pas en déshabillant. L'eau te créera moins de résistance. Ouais, ça fait bronzette, c'est tranquille. C'est dommage qu'ils ne sont pas adaptés ces épisodes en VF, ça aurait été pas mal. Kana, elle toujours à l'aventure. Hein. Non, c'est pas ce que je sous-entendais. Ah bah oui, Rebi. Hein. Elle ne le dira pas qu'elle est avec Gajil tout de suite. Ah, Grey. Complètement nu. Ça va, on voit rien, YouTube. Me cassez pas les pieds. J'adore. Jubia lui dit, mais tu es à moitié nu? Erza lui répond, ah mais aucun souci hein. Ah bah là il s'entraîne. Là on est d'accord. Ah là il s'entraîne, là on est d'accord. On s'entraîne sérieusement. Et voilà le dernier. Oh là 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 là. Monstrueux. Et là il pleut. Et ils sont contents. Rabis-toi, Grey. Jubia. Mais Grey est si viril. Me
Monsieur Réparation, bonjour. Oui, la guilde de Fairy Tail a encore fait des ravages. Le conseil ne va pas être content. J'ai cru que c'était fini. J'allais dire, c'est passé rapide. Ah bah c'est sûr, Natsu, t'as toujours la dalle. Elles sont toutes bourrées. Oh punaise. Il joue bien Erza, Lucie. La femme Grey. Viens ici et tu bois. Eh, je suis pas alcoolique, moi. Hein. C'est mort. Lucie? Mais qu'est-ce que tu fous? La voix de Natsu! Oh non, même la maître. Elle est bourrée aussi. Bourrée? Je savais pas que ça faisait ce bruit quand une poitrine se mettait contre toi. Bourrée? Non, non, chérie. Nous sommes déjà à genoux. Erza, elle est tellement intimidante. Wakaba, depuis quand tu es devenu si gros? Ça ne te ressemble pas. Je l'accorde. Fais-moi ronronner. Ici. Et en plus, elle miaule. Pas question. Attends, elle a dit quoi? Elle veut aller aux toilettes? Oh, t'es pas mieux, Mavis. Hein. Le dos de Natsu est si chaud. Ce sont les flammes de rage. Je ne sais pas. Merde, mon micro. Après tous vos esprits? Bah oui, forcément, vous vous souvenez de rien. Jubia, tu te sens gêné, mais avec Grey, t'es pas gêné du tout. Mavis, c'est pas parce que t'en as des petits. T'inquiète pas, t'es pas toute seule. Il y en a, ils ont des petites. Regarde, Rebby, Wendy. Voilà, t'es rassurée, c'est bien. Il y a certaines scènes que je pourrais pas mettre, donc ce sera coupé. Demandez en commentaire. Vous aimez bien, non? Si j'arrivais à mener Lucie à intéresser Natsu, ça ferait une rivale en moins. Tu oses dire que tu n'es pas amoureuse de Natsu? Mais à un moment donné, tu as cru quelque chose que Natsu ne pensait pas dans un épisode. C'est une stalkeuse! Elle a trouvé la maison de Natsu Yappi. Tu peux te venger, t'as le droit. Qu'est-ce que t'as fait, Lucie? T'es rentré par effraction chez quelqu'un? Mais c'est pas bien ça! C'est une porcherie sa maison, Natsu. Oh, il attache des missions importantes! Natsu est très nostalgique en fait! Il y a un arbre qui pousse dans sa maison. Pourquoi tu t'énerves? On dirait ma chérie qui s'énerve. Bon bah rentre hein. Rentre Lucie. C'est en train de dormir. Oh, ils sont mignons tous les deux.
D'être constamment à leur côté, ça me donne un étrange sentiment de sécurité. Ah bah oui. Quelle belle histoire. Non. Vous allez pas vous venger, les gars. Vous allez le regretter, je le sens. Voilà. Erza, elle a tellement le Wi-Fi. C'est égal, allons les chercher. Oh, bande de couillons. Droid, par contre, comment tu t'es fait ça? Droid. C'est fini. Ok. Eh bien, franchement, j'ai bien aimé cette OAV EP spéciale. En fait, c'est, comme je vous ai dit, des EP en complément de ce qu'on pourrait avoir qui n'a pas été mis dans l'officialisation des EP de Firetail. Et c'est bien dommage parce que l'animation est plutôt pas mal et l'histoire a été faite par des fans et que Hiromashima a reprise. Plus une adaptation, bien entendu. Donc voilà, bah en tout cas, moi j'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a beaucoup plu. Et puis pourquoi pas faire les autres OAV et beaucoup trop d'autres réactions pour Firetail ou bien d'autres. Et peut-être faire aussi la théorie des OAV parce que quand on voit les openings, il y a certains trucs qui nous cachent. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans ce commentaire. Moi je vous dis, c'était Warconix. N'oubliez pas, longue vie à Firetail, à tous les autres univers d'anime. Et puis moi je vous dis, c'était Warconix. À la prochaine!